Le zapping sur la toile, c'est le zap tweet et c'est maintenant. On commence avec l'île des vérités, c'est 20 957 tweets et mis à part les symphonies de cris. Oh, mais dis pas ça, va me changer, je m'en f. Je m'en Tu es pas toute seule ici. Eh ben, je m'en f. Ici, je suis comme ça, point barre. On a eu une petite originalité vestimentaire d'un des candidats, relevée par de nombreux tweets, dont celui de Jeff. Le mec, il a 30 piges, il va pêcher en slip. Je demande vérification. Juste impressionnant, t'as vu comme là ? Stylé. Oh, le beau 100% coton de papa que voilà. Bien démodé depuis 1976. Beau score pour M6 et le meilleur pâtissier avec 15 082 tweets. Une émission qui vous fait prendre des kilos rien qu'en la regardant. Au passage, très bonne question de l'Instit Twitter. Comment M6 peut être crédible en produisant à la fois le meilleur pâtissier et Belle toute nue? Mais moi, ce n'est pas ce qui m'a le plus choqué. Notre super mamie pâtissière, elle s'appelle Mercotte. D'accord, elle s'appelle comme ça, c'est normal pour tout le monde. Ok, on dit rien, pas de soucis. Alors on passe à notre champion du soir, Sébastien, une sorte de super héros culinaire. Macaron Man, toujours plus grand et toujours plus fort. Mais qui a beaucoup de mal avec la pression, surtout quand il rate ses abricots. Mais... Allez, souffle un coup, là, on discute, allez, ça vous fait du bien. Là. Souffle un coup, tout va bien. C'est... Ah, tu veux prendre un petit peu l'air 2 minutes? Ouais. On respire un petit allez. Coup? Après, ça ira mieux, d'accord? J'ai tout raté, je débat. J'espère juste qu'il se mettra pas la tête dans le four s'il rate ses macarons. D8 toujours présent avec... Amazing Race. Ah, il a son petit effet, Alexandre Delperrier. Sur Gontran, par exemple, j'aime bien dire Amazing Race, comme Alexandre Delperrier, j'ai l'impression de parler anglais. De toute façon, tu le diras toujours mieux que les candidats. Amazing Race. La course palpitante autour du monde récolte 3012 tweets, malgré des candidats qui ne savent toujours pas communiquer avec les locaux. Est-ce que, qu'est-ce que ça te fait quand je fais ça? Ça te fait rien? C'est pas à toi, alors. Et bien sûr, il y a eu des épreuves toujours autant appréciées. Une soif. Oh, j'en peux plus, putain, il est où le drapeau? Et c'est toi qui dois diriger, putain de merde, je peux pas diriger de l'avant. C'est toi qui dois diriger. Arrête, ça me gonfle. Il paraît que depuis le passage des candidats dans la jungle, les perroquets insultent les gens. Tout de suite, on passe aux autres émissions qui vous ont fait réagir sur la toile. Les Marseillais à Miami, toujours en place, avec 4024 tweets, dont celui de Laure Joncheret. Quand il y a le générique des Marseillais à Miami, on peut aller se doucher, aller manger, aller faire ses devoirs et revenir. Manon, Laure, tu pourrais manquer nos participants qui sont aux États-Unis. Le rêve américain, quoi. Ils bossent dans les plus belles boîtes, font des tours en bateau, des fêtes interminables, et si vous leur posez la question, ce n'est pas ça qui leur procure le plus de plaisir. Oh non. Ce soir, j'ai eu l'occasion de voir des ratons laveurs, et je suis trop contente parce qu'ils se sont approchés près de nous. C'est un animal trop beau et je suis trop contente. C'est marrant, mais là, l'accent ne rend pas plus intelligent. Sur des 17, dans À Chacun Son Histoire, on a encore eu le droit aux fans de tuning qui vit et sans le tuning. Regarde le poil ici. Moi j'ai la chair de poule quand ça burn ainsi. Ah. Et sur BFM TV, quand on a un problème technique, on n'apprécie pas et on le dit à l'antenne. Putain, c'est rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai la chair de poule. Ouais, c'est ça, demain.